L'enfant nous a déclaré que l'homme lui avait donné du chewing-gum, qu'il avait caressé son petit chien et filmé ses moutons. Il a ajouté qu'il était très gentil et qu'il regardait autour de lui en disant « Bello, bello ». Nous n'avons pu interroger ce vieillard car il est mort un mois avant que nous ne commencions cette enquête. Notre homme a terminé la journée du 18 août 1943 en haut du belvédère de San Antonio, puis a pris la direction de la plage. 19 août 1943, notre homme semble seul sur la plage. Il essaie un panoramique avec sa caméra. Il s'y reprend à deux fois. Faites bien attention. Quand la caméra arrive sur la mer, on voit un point qui sort de l'eau, puis un deuxième. Il les a repérés puisqu'il recadre. Il vient de changer d'objectif. Ce sont apparemment de simples nageurs, mais leur comportement est étrange. Ils ont vraiment surgi du fond de la mer. C'est l'enfant qui le repère en premier, la femme un peu après. Il va à leur rencontre. Il y a eu, vous allez le voir dans un instant, un contact entre le soldat et ses deux êtres, car maintenant il filme depuis la grève. Regardez.